دمات وإن براس مليك فيلياس من آري ورب نياس من أو كالو سوى النبارو تفيلي غمازا سنو ربنا أو إلوي كفيلياس من أسلاي دلاس من أو دلاس من رات وإنس بروميدن زواس ماني إن أوكا وإنس مالي لويدا فيلاس ما Lamina udali borazi wa ines kromi dal frezo. Mano rabbana u eloika wa an asmali tau delfo. Marias men edan. Walkelaza wa anna edan. Wa edan tamera wa ines porazo. Lo ibles men edai wa inna skrabin wa ines porado. Lo inflos man krezo. Barita dalisa wa anna merozi. Lo bramita u de esparias man te godau. Lomia nau albaras wa innos klota udala gen. Rabu ni filimenta udali bariza. Lo ebaras men wa inna kremida udal ferozo. Goriamenta udali barias man aneta. Lo bras men au kawa anna espora udei. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous mes bien-aimés qui se connectent en ce moment. Merci pour ce moment extraordinaire et particulier que nous aurons à passer dans ta présence. Seigneur, prends contrôle au nom souverain de Jésus. Et tends ta bonne main dans nos vies, Seigneur, pour marquer nos vies du sceau de la rédemption dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le sceau de la rédemption, le sceau du salut dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Bonjour. À vous tous, bonjour à Fanel Foka, bonjour à Inès Taizamba, bonjour à Général Armel, oh, bonjour à Jermias Daïb, bonne arrivée à Stéphanie Abouissili. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, partageons la vidéo au maximum. Je n'ai pas pu être libre à 10 heures, donc on va se rattraper. Kassirom, bonjour, bonjour à Bwende, bonjour à Nathalie Dekpo, bonjour à Danicia Jenny, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Juliette Betty, oh, toujours fidèle. Bonjour à Lucha, bonjour à Kazirom, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. À vous tous, je donne un salut spécial. Nathalie Dekpo, waouh, c'est bien. Bonjour à Nina, Nina, oh, ça c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à mon fils le prophète Esaïe du côté de Ngaoundéré, bonjour. À chacun de vous, Carole Messina, you are welcome. Bonjour aussi, merci. Olivier Diabo, bonne arrivée, bonjour. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît, dans nos groupes. Prends ça à cœur, je t'en prie. Prends ça à cœur. Partageons dans les groupes. Et voilà, les habitants de Douala, nous avons commencé hier, par la grâce du Seigneur Jésus. Et ce soir, nous continuons le grand programme à partir de 16h, derrière l'immeuble Kamlet. Vous voyez? Je ne serai pas un sujet de honte dans cette génération. Voilà le thème de ce mois. Et nous voulons travailler pour que tu sortes de la honte. Oui, que tu sortes de la honte. La honte qui est devenue un héritage dans nos familles doit cesser. C'est un thème que j'ai beaucoup à cœur. Et chacun de vous devrait avoir ce thème à cœur. Plusieurs d'entre nous, nous avons été humiliés. Nos parents humiliés. Le nom de notre famille. C'est-à-dire quand on dit que c'est les enfants de tel, c'est un sujet de honte. C'est les enfants de tel, c'est un sujet de honte. Aucune gloire dans la famille. Personne qui s'élève dans la famille pour marquer sa génération. Dès que quelqu'un lève la tête, il meurt.
Dès que quelqu'un tombe la tête, lève la tête, à peine il lève la tête, qu'il tombe. Que cette malédiction soit brisée dans nos familles, qu'elle soit anéantie dans nos familles. C'est de ça qu'il est question. Tu lèves les yeux, tu regardes ta famille et tu pleures. Personne n'a jamais rien fait pour marquer cette génération. Les femmes, leur condition, c'est le malheur, la honte. Les hommes, leur condition, c'est le malheur, c'est la honte. Quand tu regardes les enfants de ton père, la même chose. Les enfants de ta mère, la même chose. Nous allons prier que le Seigneur puisse détruire, que Dieu détruise. Que Dieu détruise. Que le Seigneur détruise ces fondations maléfiques au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Vous voyez. Donc, bien aimé, vous voyez, à un certain moment, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Il faut refuser certaines choses. Il faut refuser. On est des chrétiens. Moi, j'ai toujours cru que le christianisme, ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je suis né pour échouer. C'est qui là-bas? Allô? Ça, c'est qui? Ça, c'est un ajout. C'est un ajout. Allô? 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 C'est qui là-bas? Moi, j'ai vu une demande d'ajout au direct. Allô? 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 Oui, c'est qui? La personne est partie. Bon, ça fait une découverte. Voilà. Donc, bien aimé, bon, on peut rendre témoignage comme ça. Et si quelqu'un veut rendre témoignage, vous savez comment faire pour ajouter la vidéo en direct. Faites-moi la demande. Vous avez un témoignage. Je vous ajoute et vous rendez votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, je voudrais que nous prenions conscience de ces choses-là. Vous comprenez? Lorsque vous regardez dans votre vie, dans votre famille, quel est le bilan de votre famille? Yannis Gavuka, et c'est un témoignage. Voyez. Donc, ça veut dire que les gens peuvent s'ajouter, ma monsieur. Ça, c'est bien. Est-ce que c'est pour un témoignage? On va voir. Il n'y a rien de mauvais dedans. On va avancer. La technologie, on apprend à utiliser cela. Donc, tu regardes ta famille, personne n'avance. Tout ce qui se passe dans ta famille, c'est la honte. La honte, la ruine. La honte, la ruine. La honte, la ruine. Nous sommes en train de finir une année. On est en train d'entamer une autre année. Et j'ai dit que la manière dont tu achèves une année définit comment tu vivras dans l'année qui suit. La fin d'une année est fondamentale. On est en novembre, après décembre, c'est fini. Donc, quand Dieu suscite des thèmes comme ceux-ci, quand Dieu donne des occasions comme celle-ci, bien aimé, il ne faut pas jouer. Ne reste pas à la maison. Un programme comme celui-ci, tu ne devrais pas t'amuser avec ce thème. Je ne serai pas un sujet de honte dans ma génération. Je ne serai pas un sujet de honte dans la maison de mon père, et je ne serai pas un sujet de honte dans la maison de ma mère. Est-ce que ce n'est pas un thème qui mérite que tu quittes ta maison habitant de Douala pour passer ces 4 jours dans la présence de Dieu à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé, hein? Tous les soirs à partir de 16 heures, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on clôture jeudi avec le service de lavement de la face. Vous savez que nous, les prophètes, nous sommes c'est-à-dire, notre ministère est basé sur les signes. La honte doit quitter ta vie, tous les domaines de ta vie. Il y a des gens dans leur carrière, c'est une honte. Beaucoup de personnes, leurs affaires, c'est la honte. Des hommes de Dieu, leur ministère, c'est la honte. Il y a des gens, leur vie sentimentale, c'est la honte. Les expériences familiales, la honte. Les enfants issus du ventre de son père, du ventre de sa mère, la honte. Des reins de son père, la honte. Quand tu regardes à gauche, à droite, ta famille, vraiment, il n'y a aucun sujet de gloire. Dieu peut changer les choses en cette fin d'année. Dieu peut changer les choses. La Bible dit que 1000 jours, 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Donc, en une occasion comme celle-ci, Dieu, même en direct, toi qui me regardes, aie la foi. Toi qui ne pourras pas être là, crois qu'à travers ce direct, le Seigneur apporte la délivrance à ta vie. Crois que tu ne seras plus un sujet de honte. Confesse-le. Confesse-le. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Regarde-toi et confesse cela avec foi. La détermination, il n'y a pas de changement sans détermination. Donc, bien aimé, il y a des gens qui ont connu plus de malheur que toi, qui brillent aujourd'hui à cause de la détermination et la foi. Ils ont refusé le pire, ils ont refusé le malheur. Ils ont refusé d'être victimes de la vie. Ils ont refusé d'être victimes des malédictions proclamées par leurs ennemis. Donc, quelles que soient les pratiques de sorcellerie dans ton village, ou dans ta famille, mon ami, ça ne va pas t'empêcher de réussir.
pour ceux qui sont connectés avec foi. Regarde à ta vie. Est-ce que jamais dans ta vie, tu n'as trouvé un domaine de ta vie qui te fasse pleurer? Hein? Non. Et regardez, hein, il y a des personnes, vous voyez, très belles. Des personnes belles. Mais lorsque tu restes seul, tu pleures comme un enfant. Tu pleures comme si tu es endeuillé. Pourquoi? Parce que les gens te voient beau, mais ne savent pas que la lèpre a attaqué ta vie. Il y a des pourritures dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie qui ne fonctionnent pas normalement. C'est pour ça, bien-aimé, que Dieu suscite un thème comme celui-ci pour changer ta mentalité, pour t'apporter du secours et te sortir de la misère, de la honte et de la malchance. Vous comprenez? Tu es né pour briller. Et Dieu va faire briller quelqu'un avant la fin de cette émission. Et tous les habitants de Douala qui me suivent, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va déchirer le vêtement de la honte dans la maison de ton père et de ta mère qui t'a influencé. Dieu peut le faire. On a vu des gens dans la Bible, vous regardez la famille de Marie, ne me faites pas dire n'importe quoi ici. La famille de Marie, de Marthe et de Lazare, c'était une des familles les plus méprisées, les plus marginalisées, les plus insultées, les plus haïes à Béthanie. Mais à la fin de l'histoire, c'est devenu la famille la plus célèbre. Comme pour dire que Dieu peut changer l'histoire des gens. Dieu change l'histoire des gens, si tu as la foi. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il prend le pauvre, la poussière de la terre et le fumier, et l'indigent du fumier, et les fait asseoir à table avec les grands du pays. C'est Dieu qui peut faire ça. Dieu peut changer ton cas. Dieu peut changer ta situation. Bien-aimé, Dieu peut changer ta situation. Ne te décourage pas. Ne mets pas tes regards sur tes limitations, sur tes faiblesses, sur tes imperfections, mais sur la perfection de Dieu qui peut perfectionner ton imperfection. Vous savez, parfois, nous nous limitons sur nos faiblesses. Aucun homme ne peut changer sa propre vie. Aucun homme ne peut améliorer sa vie. Personne ne peut rectifier les erreurs de son histoire. Satan introduit des erreurs dans les paragraphes de l'histoire de ta vie et le sang de Jésus-Christ rectifie les erreurs de Satan dans ta vie. Donc, tournons nos regards vers Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'en cette fin d'année, tu m'entendras dire que l'Esprit de Dieu m'a dit, je suis à Garoua, je suis à Yagoua, je suis à Yola, je suis à Mokolo. Mon ami, paye ton transport, arrête ce que tu fais. La fin d'une année est très importante pour l'année qui suit. La manière dont tu achèves une année détermine comment tu vivras dans l'année suivante. Du 1er décembre au 4 décembre, nous avons le pèlerinage sur le mont Kolafamba pour aller prier pour l'année 2022. Bien-aimé, toi qui as toujours méprisé ce pèlerinage, c'est sur cette montagne que j'ai vu les sept anges de mon ministère qui m'ont parlé et qui ont libéré mon ministère, que je suis descendu. On faisait les cultes à l'époque, on était environ 15 personnes, 20 personnes. Quand je suis descendu de cette montagne, j'ai fait la nuit de prière. La foule était énorme. J'ai demandé dans mon cœur, mon Dieu, ces gens sortent d'où? Ils étaient où depuis? À cause d'une révélation sur le mont Kolafamba. Mes années sont victorieuses parce que je les prépare devant la présence de Dieu. Donc nous allons passer 4 jours dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'exhorter. Toi qui n'as jamais été à la conférence, au pèlerinage annuel de notre ministère, s'il te plaît, cette année, fais un effort. Prends ton badge dès maintenant. Les badges se vendent en assemblée dans nos églises. Les badges se vendent dans les églises. Les badges ne se vendent pas sur Messenger ou bien sur Facebook. Parce que quand je passe une annonce comme ça, les arnaqueurs vont récupérer cela pour vous vendre les badges. Vous donnez, je n'envoie pas les demandes d'amitié. Lorsque vous voyez prophète et quand Ferdinand vous envoyez demande d'amitié, sachez déjà que c'est un faux profil. Je n'envoie pas les demandes d'amitié. D'ailleurs, on a des centaines de milliers de demandes d'amitié et qu'on n'a pas pu résoudre parce que c'est arrêté, hein, c'est un nombre, vous voyez. Donc, si quelqu'un vous envoie mon nom, une demande d'invitation, ce n'est pas moi. De deux, voici les miracles qui accompagnent le faux profil au nom du prophète Ferdinand Kané. Si on vous envoie une demande d'amitié, ce n'est pas moi. Deux, si on vous demande de l'argent, ce n'est pas moi, fuyez. Dès qu'on vous demande l'offrande, fuyez. Dès qu'on vous parle d'acheter ou bien de vendre, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un pour lui dire qu'achète ou bien je vends lui de faveur. Ce n'est pas moi qui fais cela. Il y a une équipe qui se charge de cela. Donc, méfiez-vous des arnaqueurs qui viennent à mon nom vous demander l'argent, les offrandes, etc. Méfiez-vous, ils sont très nombreux de plus en plus. Donc, à cette fin d'année, ces stratégies te restent 2 mois pour rattraper tout ce que le diable t'a volé, le retard de ta vie. 2 mois, Dieu peut le faire. Voici le mois de novembre. Toi qui es resté à la maison sans participer au programme, etc.,
tu as pris les vacances avec Dieu, mon ami, tu peux encore te rattraper. Donc, Douala est en feu. Lundi, mardi, le 8, le 9, le 10, le 11, tous les soirs à partir de 16 heures. En Dogbon, l'église est située derrière l'immeuble Kamlay. Bien-aimé, ne reste pas à la maison. Pardon, je vais me mettre à genoux parce qu'il y a assez d'espace. Il faut que tu sois là. Lève-toi, viens avec tes enfants, viens avec ta maison, viens être délivré, viens prier pour ta famille, viens te mettre à la brèche. Dieu a dit, je cherche parmi eux un homme qui se mette à la brèche entre moi et le peuple, je n'en trouve pas. Que Dieu te trouve, que Dieu te trouve, que Dieu te trouve. Viens te mettre debout pour ta maison, pour ta vie. Si tu ne pries pas pour ta propre vie, qui priera pour toi, bien-aimé? Donc ne laisse pas cette fin d'année. N'accepte pas que les erreurs de 2021 te poursuivent dans 2022. Que les malédictions de cette année traversent avec toi. Non, tu dois traverser. Et tout ce qui a eu de mauvais, les mauvaises expériences, les mauvaises rencontres, les mauvaises histoires de ta vie, les mauvais domaines de ta vie, doivent caler. L'année s'y meurt avec ce qui est mauvais. Mais 2021 ne meurt pas avec ma grâce. 2021 ne meurt pas avec ma bénédiction. Tout ça dépend de toi. Parle à l'année et l'année t'écoutera. Dis année, année, rends-moi ce que tu m'as volé. 2021, restitue mes grâces que tu as retenues. Tu ne peux pas partir avec quelque chose qui m'appartient. Voyez, c'est comme ça qu'on fait, bien-aimé. Tu manifestes la divinité et tu verras ce que la gloire de Dieu fera dans ta vie. Donc, Douala est béni. La ville de Douala est bénie. Vous tous qui me voyez, à travers ce direct, ce n'est pas le fruit des hasards. Jésus a bien voulu que tu me vois, que tu entendes cette annonce. Toi qui habites la ville et qui est autour de la ville, ne reste pas insensible à cette annonce. Qui sait, peut-être c'est ta saison. Qui sait, peut-être c'est une tour à Mégalais, une grande porte que le Seigneur ouvre devant toi. Ce programme changera ta vie. Ce programme résolvera tes problèmes. Si tu es malade, tu ne veux pas traverser cette année pour l'année prochaine avec cette maladie. Tu es mon invité personnel. Il y a la malchance dans ta vie. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Dans tous les cas, tu es convaincu qu'il y a un esprit, une forteresse. Ce que nous appelons les hôtels familiaux derrière ta vie, tu es mon invité personnel. Ne reste pas à la maison. À partir de 16 heures, quitte ton bureau, quitte ta boutique, quitte ta maison et retrouve-moi derrière l'immeuble Kamlay au quartier Ndogbon à Douala. Nous avons 5 jours, on a commencé dimanche passé. Et jeudi, chacun dit avec sa bouteille d'eau, nous aurons service de lavement de la face. Donc ne manque pas à ce grand programme et Dieu te bénira. Nous avons la rencontre avec les hommes de Dieu. Après cette semaine, la semaine prochaine, ici à Douala et à Yaoundé en même temps. Si vous êtes homme de Dieu, nous allons partager avec vous des secrets. Je vais partager avec vous des secrets. Les mystères du ministère, la science du ministère. Parce que le ministère, c'est une science, vous voyez. Les enfants de Dieu n'ont pas compris que la Bible que nous lisons ici, le livre ici, la Bible, c'est une science. La Bible est un livre scientifique. C'est un livre qui détient les sciences du royaume de Dieu. Il dit, Kai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Gnosois, c'est-à-dire Gnosko, veut dire connaître avec exactitude, dans la science de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité, pas le processus scientifique du ciel, pas le processus scientifique du royaume. C'est ça la réalité. Bien-aimé, je prie que les hommes de Dieu se mobilisent massivement dans la ville de Douala comme dans la ville de Yaoundé. Soyons très très nombreux et venez, il y aura un service d'impartition au dernier jour et Dieu se manifestera avec puissance et autorité. Maintenant, je vais aborder un sujet que j'ai commencé à aborder qui quelque part est un peu un sujet à polémique. Bon, polémique oui, mais je voudrais juste vous amener à réfléchir. Lorsque la Bible dit quelque chose, il est important de méditer comme les chrétiens de Béret pour comprendre la quintessence, pour comprendre la clarté, pour comprendre la perspicacité de chaque passage, de chaque dit de la Bible. Vous voyez, c'est important. Lorsque Jésus-Christ dit ceci, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi », c'est un grand conseil. C'est le secret de la sanctification. C'est le secret de mener la vie de Dieu. Ceux qui ont compris ce verset plaisent à Dieu. Parce que c'est un principe qui marche, qui fonctionne et qui te rapproche à Dieu. Donc, maintenant, beaucoup de personnes pourraient lire cela charnellement et diraient que, OK, comme mes yeux combattent les hommes ou comme mes yeux aiment combattre les femmes, quelqu'un prend le crochet, il s'arrache l'œil avec cela. Et ce qui est sûr, tu vas arracher l'autre œil aussi parce que les yeux se répandent difficilement. Vous voyez. Donc,
Il dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Bon, tu as giflé ta femme ou bien, je sais pas, un enfant, tu as fouetté un enfant, tu te rends compte que ta main là aime toujours taper les enfants. Allez, un jour, on te surprend avec la scie ou la tronçonneuse. Et puis, tu vas te couper le bras parce que la Bible a dit que si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Non. On ne prend pas ce passage littéralement. Il y a une science derrière. Il y a une vérité cachée. Il y a une vérité sous-jacente. Il y a un sous-entendu, vous voyez. Donc, Jésus ne dit pas qu'il faut arracher le membre physique. Non. Il parle du membre spirituel. Il parle d'une séparation spirituelle. Donc, Jésus veut tout simplement expliquer que si tu as une relation, une amitié, par exemple, c'est un exemple que je donne, une relation qui t'éloigne de Dieu, alors il faut couper cette relation, il faut arrêter cette relation. Voilà tout ce que ça voulait dire. Donc, s'il y a un endroit où tu vas et cet endroit t'expose à pécher contre Dieu, cesse d'aller là-bas. C'est tout simplement cela. Et tous ceux qui s'appliquent à mettre en pratique ce conseil prospèrent avec Dieu. Ils prospèrent avec Dieu. Donc, voilà que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, vous savez bien aimé que le concept de la grâce, les chrétiens ont mal compris ça. Nous avons très mal compris la grâce. Je vous dis la vérité. On a mal compris la grâce. Les gens ont vu dans la grâce la gratuité sans prix. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez qu'il y a des messages que je donne, des sujets qui sont compliqués et parfois qui peuvent faire des polémiques. Mais je pense que c'est important aussi. Ouais. Donc, les gens, les chrétiens pensent que la grâce, c'est la gratuité. Donc, la grâce, c'est que Dieu me donne par grâce et c'est que je ne fais rien pour mériter cela. Et comme j'ai reçu ça, je ne fais rien et ça se manifeste parce que c'est la grâce. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la grâce de Christ. Non, la grâce, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de gratuité dans la grâce. Vous comprenez? La grâce, elle n'est pas gratuite. Je vais vous montrer pourquoi je dis cela. La grâce a un prix. La grâce, quoi qu'elle soit grâce, quoi qu'elle soit gratuite, entre guillemets, elle a un prix. Regardez, le prophète Ésaïe dit ceci. Il dit, venez. Il dit quoi encore là? Qu'est-ce que Ésaïe dit là? Il y a quelque chose là. Il dit, venez, achetez gratuitement du vin. C'est ça? Oui, venez acheter gratuitement du vin. Je vois sur une phrase comme ça. Venez acheter gratuitement. C'est parce que ma Bible là maintenant. Attendez. Il dit, venez acheter gratuitement. Tu as ta Bible, il dit, acheter. Attendez, je vais essayer de voir. Il dit, acheter gratuitement. Il y a, je ne sais pas si c'est l'oxymoron. Ça ne donne pas, hein. Je ne trouve pas ça. D'acheter gratuitement. Oh, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le passage. C'est Isaïe qui dit ça. Il dit de venir, il dit, venez et achetez gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter gratuitement. C'est deux mots opposés. Ce qui est gratuit ne s'achète pas, ce qui s'achète n'est pas gratuit. Vous voyez. De dire acheter gratuitement, c'est un passage. C'est Isaïe qui dit cela. Oh, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le passage. Voilà. Voilà. Il dit, bon, ça c'est une version, comment on ne comprend pas ici. Il dit, vous tous qui êtes, c'est Isaïe 55, verset 1. Vous tous qui êtes altérés, c'est-à-dire vous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je. Acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Et ça, vous comprenez un peu le jeu de mots ici. Et je sais, c'est l'oxymoron. Et où c'est, l'antithèse, c'est quoi? C'est l'opposition entre deux idées, je pense que c'est ça. Et l'oxymoron, c'est l'opposition entre deux mots. Je crois que c'est ça, hein, pour les littéraires. Ça fait longtemps que je n'ai pas révisé mes cours de figure de style. Alors, il dit quoi? Vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas acheter. Écoutez bien, c'est ça la grâce. Ça, c'est la bonne définition de la grâce dans Ésaïe 55, verset 1. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter. Donc, même quand tu n'as pas l'argent, il y a acheter dedans. Venez, dis-je. Acheter sans argent
et sans aucun prix du vin, du lait. Vous voyez qu'il y a acheté, il y a gratuitement. Oh, ça n'a aucun sens en réalité. C'est ça la grâce. C'est ça qu'on prend la grâce. Maintenant, lorsque nous revenons dans Éphésiens 2, verset 8. Voilà. Idée, oxymore, c'est hein, opposante deux idées. L'oxymore, c'est ça. Ce n'est pas l'antithèse. OK, ce n'est pas un coup de littérature. On va voir ça. Chacun dit ce qu'il pense. Donc, il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Hein, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Comment on peut acheter sans argent, sans rien payer? Comment on peut dire, venez acheter, on dit sans argent et sans rien payer. Mais on dit, et acheter donc, cherchez quoi là-bas? Si on, comment on peut acheter sans argent, sans rien payer? Si ce n'est pas que quelqu'un a payé le prix pour vous, si ce n'est pas que quelqu'un a dépensé cette somme pour toi, je peux acheter une chaussure gratuitement, sans argent. Mais quelqu'un l'a payé pour moi. Quand il y a acheté, il y a un prix. Quand il y a argent, c'est qu'il y a un prix. Gratuitement veut dire que quelqu'un a payé cela pour moi. C'est ça la grâce, vous voyez. Et je vais vous expliquer mieux ça, que les gens comprennent. Je veux que tu prennes ta Bible, s'il te plaît, et lis avec moi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ça, c'est un forum pour les matures. C'est pour les matures. Et la conférence des pasteurs, bien aimé, vous me connaissez. Avec les pasteurs, j'enseigne les os de l'évangile. Ça veut dire que le squelette de l'évangile, des questions difficiles. Je ne m'inquiète pas parce que ce n'est pas l'église, ce n'est pas les brebis, c'est les hommes de Dieu. Donc, que chaque homme de Dieu ait son cahier, son bic, nous allons entrer dans les sciences du ministère et du royaume. Maintenant, la Bible dit ceci. Il dit, « Tegar kariti, este sesos menoi dia pisteos. » Il dit, « Vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous-même. Keyuto Doron, c'est le don de Dieu. Vous voyez. Il dit, Tegar, Kariti, este sesos menoi dia pisteos. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Par le moyen, par grâce et par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés par grâce et par diapisteos, par le moyen de la foi ou au prix de la foi. Hein? Tegar kariti, este sesos menoi, diapisteos. Vous avez été sauvés par grâce au prix de la foi. Et il dit, kai tuto, tuto, uk ex humon. Cela ne vient pas de vous-même. Teyuto doron, c'est le don de Dieu. Bien-aimé, le passage, c'est merveilleux. Quand vous lisez en grec, c'est un passage merveilleux. Je vous assure. C'est merveilleux. Je vais vous expliquer. Celui qui a bien compris Ésaïe tout à l'heure va bien comprendre ce passage. L'apôtre Paul explique un mystère. C'est la science. Je vais vous montrer pourquoi j'ai dit que c'est une science. Comprendre la Bible. C'est trop facile de lire en français et de donner des explications parfois qui sont faramineuses et fallacieuses. Ouais, c'est important de lire en grec et comprendre l'esprit même de celui qui parle. Ici, j'ai l'esprit de Paul, l'esprit original de l'apôtre Paul. Paul dit que Tegar kariti, este sesos menoi dia pisteos. Vous avez été sauvés par grâce au prix de la foi. Et dit kai tuto, uk ex humon. Cela ne vient pas de vous-même. Cela ne vient pas de vous-même. Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Écoute bien, bien-aimé. Écoute-moi bien, pardon. Il dit cela ne vient pas de vous-même. Aïcha? Aïcha? Cela ne vient pas de vous-même. Ne bougez pas sur le dernier instant. Cela ne vient pas de vous-même. Ça ne vient pas de vous. Aïcha, va dire dans le soir, c'est nous. Il dit, cela ne vient pas de vous-même. Cela ne vient pas de vous-même. C'est ici que la Bible est intéressante. Moussoir, cela ne vient pas de vous-même. Écoute, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer la Bible. Il dit, Tegar kariti. Heste sesos menoi diapisteos. Vous avez été sauvés par grâce, hein, au prix de la foi. Et il dit, kai tuto, tuto, uk ex humon. Cela ne vient pas de vous. Teyu todoron. C'est le don de Dieu. Alors, voici ce que ça veut dire. Il y a trois étapes au moins dans cette science. Premièrement,
La Bible dit que nous sommes sauvés gratuitement. C'est ça la grâce. Nous sommes sauvés gratuitement, mais au prix de la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous-même. Ça veut dire que vous n'avez pas payé un prix pour accéder au salut. Vous n'avez payé aucun prix. Il dit que c'est le don de Dieu. C'est le don. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné le salut. Dieu vous l'a donné. Il dit le prix du salut, vous êtes sauvé par grâce. Il parle du salut qui est le don de Dieu. Vous êtes sauvé par grâce, c'est-à-dire gratuitement. Le salut m'est donné gratuitement. Quand il vient à moi, il est donné gratuitement. Et la Bible dit que kai tuto uk ex human, le prix, je n'ai pas payé de prix pour que le salut vienne à moi. Pour que ce salut vienne à moi, pour que le salut devienne salut, ça ne vient pas de moi, je n'ai pas payé le prix, non. C'est le doron de Dieu, doron tuteyu, c'est-à-dire c'est le don de Dieu. Dieu me donne le don du salut, je n'ai pas payé le prix. Mais tu vas comprendre donc que si je n'ai pas payé le prix, quelqu'un a payé le prix pour que le salut devienne salut. Le salut n'est pas devenu salut sans aucun prix. Le salut est devenu salut parce que quelqu'un a payé le prix. Jésus-Christ a payé un prix pour que ce salut qui est devenu une grâce pour moi puisse parvenir à moi. Quelqu'un a d'abord sacrifié sa vie pour que le salut me soit donné gratuitement. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté le salut gratuitement sans argent. Sans argent, pourquoi j'ai acheté sans argent? Parce que quelqu'un a dépensé de l'argent pour que ce salut me parvienne. Donc, le salut n'est pas gratuit. Le salut que nous avons, Christ a payé le prix par sa propre vie en répandant son sang pour que le salut soit disponible pour l'humanité. Le salut n'est pas gratuit. Jésus l'a payé pour moi. Donc, j'achète sans argent. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dépensé de l'argent pour moi. Quand ça arrive à moi, je ne peux plus débourser de l'argent. Je ne peux plus débourser un sacrifice de vie parce que quelqu'un a sacrifié sa vie pour que le salut me parvienne. Donc, je suis sauvé gratuitement. Mais cela ne vient pas de moi. C'est un don que Dieu me fait. Mais ce don que Dieu me fait, quelqu'un en a payé le prix pour que moi, je n'en paye plus le prix. C'est ça, le salut. Maintenant, il y a un autre mystère dans ce passage. On va voir ça au verset 9. Et dans un autre verset tout à l'heure, Ephésiens chapitre 5, verset 1 et 2. Il dit, « Tegar kariti, este sesos menoi, diapisteos, vous êtes sauvés par grâce, au prix de la foi, diapisteos. » Maintenant, l'apôtre Paul explique, « Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, la beauté de l'évangile. » L'apôtre Paul explique donc que, comme le salut qui vient à moi, laissez-moi vous montrer un exemple. Comme le salut, je te donne un exemple simple. Saint-Esprit, merci. Prenons le cas de cette tablette. Quelqu'un me l'achète. Vous voyez? Quelqu'un achète cette tablette en Europe. Il achète la tablette. Et il me l'expédie au Cameroun. Lorsqu'il expédie cette tablette au Cameroun, je ne peux plus payer le prix de la tablette. Écoutez-moi bien. Je ne peux plus payer le prix de cette tablette parce que quelqu'un en a payé le prix. Et il y a la facture dans le carton. On m'envoie ça gratuitement. Mais lorsque j'arrive à la douane, pour accéder à cette tablette, je dois dédouaner, je dois payer un autre prix pour bénéficier maintenant de cette tablette. Pour que je devienne propriétaire de cette tablette, je dois dédouaner. Le dédouanement n'est pas le prix d'achat. Non, le dédouanement, c'est pour accéder à la gratuité de la tablette. Donc, ça fait donc que la tablette ne me revient pas gratuitement parce que celui qui me l'a envoyé a payé un prix, il me l'a acheté. Mais pour que moi j'accède et que j'en devienne propriétaire et que je bénéficie des fonctionnalités de ma tablette, la douane m'exige, moi aussi, de payer les frais de douane pour que je puisse bénéficier de cette tablette. Et le prix que je dois payer, les frais de douane, c'est ça que l'apôtre appelle la foi. Il dit, Tegar kariti, heste sesos menoi. Vous êtes sauvés par grâce, gratuitement. Mais il dit, diapisteos, au prix de la foi. Donc ça veut dire quoi? Si, malgré que Christ soit mort sur la croix et que ce salut m'est offert, je n'ai pas la foi en Dieu,
je n'accepte pas renoncer à ma vie passée pour accepter le don gratuit du salut que Christ a payé. Donc, Christ a payé le prix, je ne serai pas sauvé. Et là, le salut n'est plus gratuit parce que je dois payer moi aussi un prix pour bénéficier du salut qui gratuitement m'a été donné, mais dont quelqu'un a payé le prix. Si je ne dédouane pas ma tablette, je n'aurai pas accès à cette tablette. Donc, le fait que Christ soit mort et que le salut soit disponible pour tous, tout le monde ne peut pas être sauvé. Seuls sont sauvés ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi comme leur Seigneur sauveur personnel, abandonnent leur vie passée et payent le prix de la consécration, de la sanctification et du renoncement. Donc le salut vient gratuitement, mais je dois payer le prix du renoncement qui est celui de la foi. Si je ne renonce pas à ma vie passée, ce qui n'est pas facile, c'est un gros prix. Demander à quelqu'un d'abandonner sa vie de libertinage, où il faisait ce qu'il voulait, où il montait, où il voulait aller, où il descendait avec qui il voulait, mon ami, ce n'est pas facile. C'est pour ça que le monde n'est donc pas sauvé. Malgré que Jésus-Christ est mort sur la croix, peu sont sauvés. Lui-même, il le dira. Il dit que beaucoup, peu trouveront la vie, mais que la majorité des hommes iront à la perdition. Pourquoi? Quoique Jésus-Christ soit mort sur la croix, pourquoi le monde entier n'est pas sauvé? Parce que le prix qu'il faut payer pour accéder au salut, à la gratuité du salut, est difficile. Le dédouanement est difficile, c'est compliqué. Ce n'est pas une petite somme, ce n'est pas un petit montant. Tu dois abandonner le péché que tu aimes. Tu dois abandonner la passion de la jeunesse que tu aimes. Il faut abandonner les boîtes de nuit, il faut abandonner l'adultère, il faut abandonner la boisson, il faut abandonner la drogue, il faut abandonner le libertinage, il faut abandonner les amitiés des autres. Il y a tellement à abandonner pour profiter du salut. À partir de ce moment, mes amis, le salut n'est plus gratuit. Il n'est pas gratuit. Alors, maintenant, lorsque nous allons un peu dans Éphésiens chapitre 5. Je crois que là, j'ai expliqué, tu as un peu compris. Éphésiens chapitre 5. C'est Éphésiens chapitre 5, à partir de quel verset? Ok, d'accord. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Écoute bien ce que la Bible dit. Un mi metai touteiou. Devenez des imitateurs de Dieu. Hos tekna agapeta. Comme des enfants bien-aimés. Vous voyez? Comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Il dit, kai peripateite en agape. Katos kai ho Christos. Marchez dans l'amour. Katos kai ho Christos. Écoute ça. Comme Christ, egapesen hemas, nous a aimé. Comme Christ nous a aimé. Kai paredoken iaouton uper hemon. Et s'est offert lui-même pour nous. Prosphoran kai tousian, en offrande et en sacrifice. To teho, à Dieu. Eis osmen eu odias. Afin que, non, comme un parfum, comme un arôme d'odeur agréable. Maintenant, je vais encore comprendre, je vais encore reprendre pour que tu comprennes. Et dit, Katos kaiho Christos, egapesen humas, comme Christ nous a aimés. Kai paredoken ea uton, uper hemon, et s'est offert lui-même pour nous. Voilà le prix du salut. Jésus-Christ s'est offert lui-même pour nous. Donc, il n'y a pas de gratuité dans la grâce. La grâce est grâce parce que quelqu'un a payé le prix. Mais pour profiter de toute grâce, tu dois payer aussi un prix. Dieu ne donne pas sa grâce à ceux qui n'ont payé aucun prix. Bibliquement, ça se prouve. Quand vous regardez, laissez-moi vous montrer quelque chose, vous voyez. Lorsque vous regardez, par exemple, le centurion romain qui avait construit le temple et qui a demandé à Jésus d'aller visiter son serviteur qui était mourant. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus-Christ a refusé d'aller là-bas parce qu'il disait qu'il n'était pas envoyé vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que la Bible dit en réalité. Mais lorsque les Juifs arrivent, ils disent à Jésus que cet homme mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande parce que c'est lui qui a construit la chapelle où tu viens de prêcher. Et la Bible dit qu'immédiatement la grâce est entrée dans la maison de cet homme. Jésus a dit, il habite où? Accompagnez-moi chez lui. Vous voyez, cet homme a reçu la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'il ne méritait pas que Jésus lui rende visite parce que le ministère de Jésus-Christ était pour les Juifs et non pour les païens. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ entre dans sa maison?
Pourquoi il a la grâce de Dieu? Parce qu'il a posé un acte. Il a payé un prix. Il a construit une chapelle. C'est au nom de ça. S'il n'y avait pas cet acte de justice, Jésus ne serait pas entré dans sa maison. Vous voyez? Vous allez remarquer que tous les païens qui ont bénéficié du ministère de Christ ont posé des actes. Ils ont posé un acte de justice. Prenez par exemple le centurion Corneille, dans Actes chapitre 5. La Bible explique que c'est l'Esprit de Dieu qui va dire à l'apôtre Pierre d'aller entrer dans la maison de ce païen. Pourquoi? À cause de ses aumônes. Il faisait des aumônes au peuple de Dieu. Il aimait le peuple de Dieu. C'était un prosélyte. C'est-à-dire un païen qui croyait au judaïsme. Donc il croyait en Dieu et il multipliait des actes de justice. Il faisait du bien aux Juifs. Il bâtissait des chapelles. Il bâtissait des temples, etc., etc., etc. Et à cause de ça, Dieu s'est révélé à lui, obligeant un apôtre d'entrer dans la maison d'un païen. Quoi qu'il fût païen, Dieu a imposé à Pierre d'aller là-bas. Pourquoi? Les actes de justice. La grâce est venue. Il ne méritait pas qu'un apôtre entre dans sa maison. Mais à cause de cet acte de justice. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Jésus voulait que nous soyons sauvés. Dieu lui-même voulait qu'on soit sauvés. Mais tout ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Je répète encore. Tout ce qui est gratuit n'a aucune valeur. C'est une loi divine. Et des hommes comme David ont compris cette loi. Lorsque David arrive dans l'ère d'Arafna et que le malheur est en train de décimer le peuple, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de mourir. David prie, ça ne change rien. Il jeûne, le mal ne s'arrête pas, la peste continue à tuer les gens. Et David se rend donc compte que voilà l'ange qui a l'épée, il est là-bas. Voilà comment David va aller dans l'ère d'Arafna, le champ d'Arafna. Et il va voir le bœuf. Et il va demander à Arafna qu'il veut le champ pour faire une offrande à Dieu pour que la plaie quitte sa vie, quitte son pays, quitte sa maison. Et Arafna lui dit, je te donne le champ gratuitement, les bœufs gratuitement, les bois du char, de la charrue gratuitement, offre ton offrande à ton Dieu. Qu'est-ce que David répond? Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Abraham faisait la même chose. Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Vous comprenez? Je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Pourquoi? Parce que David savait que... C'est-à-dire que David savait que la gratuité gratuite n'est pas importante pour Dieu. N'a aucun fruit. Tout ce qui ne coûte rien ne produit rien avec Dieu. Le sacrifice est important. Les actes de justice sont importants. David achète le champ, il achète les bœufs et il achète la charrue sur les bœufs. Et il fait l'offrande et la plaie s'arrête. Vous voyez donc qu'il a posé un acte. La guérison, c'est la grâce. La délivrance que le peuple a eue, c'était la grâce de Dieu. Et c'est pour cette grâce que David pleurait devant Dieu. C'était pour cette grâce que David priait. Mais sa prière n'a pas attiré la grâce. C'est un acte de justice. Il a bâti un autel à Dieu. Il a acheté un champ à prix d'argent. Il a acheté des bœufs à prix d'argent. Il a acheté du bois à prix d'argent. Il a fait une offrande qui coûtait quelque chose. Et à cause de cette offrande, la blessure s'est arrêtée. Les gens étaient guéris. Les morts, la mort est quittée. Pourquoi? Le sacrifice. Donc, la grâce est attirée par les actes de justice. Qu'on ne vous mente pas. Laissez-moi vous montrer une chose. Même dans... Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce thème. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Lorsque vous regardez, par exemple, Marie, prenons le cas de Marie, parce qu'il y a des cas qui paraissent comme si la grâce est gratuite. Il n'y a aucune grâce gratuite dans la Bible. Il n'y a aucune grâce gratuite dans la Bible. Non, il n'y en a pas. Il y a toujours une raison pour que la grâce vienne vers toi. Il y a toujours une bonne raison. Sans raison, il n'y a pas de grâce. Prenons le cas de Marie, la mère de Jésus. Vous savez que quelqu'un peut se poser la question que Marie a fait quoi pour devenir la mère de Jésus, pour avoir la grâce d'être la mère de Jésus, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie Madeleine, la prostituée. Marie Madeleine, Marie de Magdala, la prostituée. Nous savons que Jésus commence à venir dans leur maison à partir du jour où elle a brisé un parfum, versé le parfum de nard, brisant le vase d'albâtre. Avant, pourquoi Jésus n'allait pas chez elle? Parce qu'elle n'avait jamais fait cette offrande. Elle n'avait pas posé cet acte de justice.
Les chrétiens manquent des actes de justice. Ils pensent qu'on prie, on prie, qu'on prie. Tout le monde, chakarabadada, chakarabobobobo, chakata. Tu rentres, le même malheur est là. Pourquoi? Parce que après la prière, les actes de justice doivent se suivre. Tu dois poser des actes de justice. Quelqu'un peut se lever. Abigail, j'aime beaucoup Abigail, la femme là. Il y a tellement de choses dans ma tête. J'aime trop Abigail, c'est une femme sage. Les actes de justice, vous voyez. Donc maintenant, vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui prient, mais ne posent pas les actes de justice. Et la grâce donc ne vient pas. On prie, il n'y a pas la grâce. On fait des programmes, la grâce ne vient pas. Peu sont ceux qui ont compris la puissance de la grâce. Hein? La puissance de l'offrande qui attire la grâce. La puissance des actes de justice qui attirent la grâce. Vous voyez. Donc maintenant, vous regardez Marie, la mère de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter d'être la mère de Jésus? Puis c'est une grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, une grâce gratuite de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être la mère de Jésus? Quelqu'un dirait, ah, voilà donc Marie, elle a posé quelle action pour devenir la mère de Jésus? Elle a pour mériter cette grâce. C'est une bonne question et je veux répondre à la question. Qu'est-ce que la mère de Jésus a fait? Elle n'a rien fait. Mais ses pères, Abraham, Isaac, Jacob, David, ses aïeuls, ont payé un prix pour elle. Parce qu'elle était fille d'Abraham. Elle était de la maison de Bethléem. Une prophétie était sur Bethléem et cette prophétie était à cause des sacrifices de ses pères. Donc, je peux mériter une grâce à cause des sacrifices de mes pères, à cause des sacrifices de ma mère. Parce que ma mère a servi Dieu fidèlement, parce que mon père a servi Dieu fidèlement, il a payé un prix, une grâce peut me revenir. Tout comme Jésus-Christ, je ne le connaissais pas, mais il a payé un prix. Et parce qu'il a payé le prix, la justice de Christ, c'est elle qui me sauve. Parce qu'il n'y a pas de justice en moi, mon ami. Je ne suis pas un homme juste. Je ne suis pas un homme saint. On m'appelle saint, pas parce que je suis sans péché. Je suis saint à cause de la sainteté de Christ. Sa sainteté m'a été octroyée. Et quand Dieu me voit, il me voit dans Christ. Il me voit derrière Christ. Donc je suis juste de la justice de Christ qui me justifie. Je suis saint de la sainteté de Christ qui me sanctifie. Christ n'a pas de péché. Oh, moi, je suis un pécheur. Oh, comment devenir saint? Si la sainteté de Christ ne me cache pas devant Dieu, c'est-à-dire que si elle ne me précède pas devant Dieu, c'est à travers la sainteté de Christ que je suis saint. Parce que son sang me sanctifie et me rend saint par sa sainteté, non parce que je suis un homme parfait. Non. Sinon, aucun homme ne serait sauvé. Nous ne serions pas sauvés, bien-aimés. Même quand tu causes avec quelqu'un, tu donnes, tu racontes une histoire avec bonne foi, tu peux être en train de mentir. Et les menteurs n'iront pas au ciel. Mais c'est le sang de Jésus qui pardonne ses imperfections et rectifie ses erreurs dans notre vie.